Et c'est parti pour le tour en anglais. Ben était en train de poster une lettre quand il a vu un voleur arracher le sac d'une dame. Elle est un peu choquée, mais ça va. Ben a assisté à un vol. Vous devrez vérifier si vos réponses sont correctes. Ensuite, vous devrez comprendre pourquoi vous avez fait ces... Le professeur. Si nous le pouvions, nous vous appellerions, mais hier, notre fils de 2 ans a fait tomber nos 2 téléphones dans les toilettes. Ah, c'est pas mal ça. Ces 2 personnes n'ont plus de téléphone. Il ne supporte pas les cols de chemise qui lui font mal au cou. Il porte de vieux suites au boulot. Celui qu'il a mis hier avait Il un aime les trou. suites confortables. Combien de temps dure le trajet à moto? How long is the ride by motorcycle? Julien fait la collection de vieilles ampoules depuis qu'il a 10 ans. Si sa mère le pouvait, elle les jetterait toutes à la poubelle. La mère de Julien voudrait jeter les ampoules. He grabbed the newspaper I was reading. Je ne sais pas si c'est pris ou attrapé. Il a pris le journal que j'étais en train de lire. Ah, c'est arraché. Elle trouve que le col de sa robe est trop serré. She thinks the collar of her dress is too tight. You can check your tires at the gas station. Tu peux vérifier tes pneus à la service. La lumière de cette ampoule me fait mal aux yeux. The light of this bulb hurts my eyes. C'est ça. C'est toi qui as attrapé le ballon avec les mains. Are you the one who calls the ball with your balls? Notre voisin sympa Hans, nous rend souvent des services. J'ai fini de lire, ouais, c'était ça, Hans. Alors, notre voisin sympa nous rend souvent des services. Des services, voilà. Our nice neighborhood often does us favors. Les dauphins peuvent arriver n'importe quand. The dolphins can arrive anytime. Je vais amener mon fils à l'école en voiture. Amener. Année. Amener. I'm going to take my son to school by car. I supported Léa during difficult times. J'ai supporté Léa pendant les moments difficiles. Je ai soutenu Léa pendant les difficultés. He grabbed the newspaper I was reading. Il a arraché le journal que j'étais en train de lire. Allez, next. Il y avait une étoile là. J'ai vu une étoile. Je sais pas. Je verrai ça plus tard. Je préférerais vivre dans un immeuble récent. I would prefer living in a new apartment building. Demande-le-lui poliment, ça marchera mieux. Ask her politely, that will work better. My new polka dot bra is very pretty. Mon nouveau. Nouveau. Soutien. Gorge à poids est très joli. Le mien est à rayures, mais le tien est à fleurs. Mine is tripped, but yours is floral. Je préfère aller au parc plutôt qu'au cinéma. I prefer to go to the park than the movie theater.
The dog jumps in the trunk as soon as I open it. Le chien saute dans le... Est-ce que c'est coffre ou réservoir? Dès que je l'ouvre... Le chien saute dans... Ah, c'est dans ça. Le coffre. Le chien saute dans le coffre. Coffre. Dès que je l'ouvre. Il est tombé de la chaise en changeant l'ampoule. He fell from the shore. Why changing the light bulb? Did old cars run on diesel? Les vieilles voitures roulaient-elles au diesel? Je pense que c'est gasol. Gasol, je sais plus comment. Gasol. Do you know the blue team players? Tu connais. Do you know the blue team players? C'est les joueurs de l'équipe. Connais les joueurs de le et bleu. C'est ça. Ce n'est pas un carton, maman, c'est mon palais. It is not a cardboard, mom. It's my palace. He likes swimming in the ocean. Il aime nager dans l'océan. I think they are going to build a pool. Je crois qu'ils vont construire une piscine. Je crois qu'ils vont construire une piscine. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, j'ai écrit. He likes swimming in the ocean. Il aime nager dans l'océan. Je crois qu'ils vont construire une piscine. Allez, next. Avec le boost en plus, c'est parfait ça. Ils sont frères, alors ils se connaissent bien. They are siblings, so they know well. Ah, oh, mais non, siblings, c'est frères et sœurs. Là, c'était juste frères. They are brothers, so they know each other well. I don't know what time I went to bed. Je ne sais pas quelle heure je... La réaction des spectateurs a été incroyable. The reaction of the spectateurs. Bon, j'essaye comme ça parce que j'ai commencé. The reaction of the spectators was incredible. Eh ben c'est bon. Nous ne dînons jamais avant 20 heures. We never have dinner before 8 o'clock. I went to bed with my clothes on. Je me suis couché avec mes vêtements. Avez-vous déjà lu ceux que vous aviez reçus? Avez. Aviez. Did you already read the ones you had received? Il ne s'est pas dessiné un cercle. He does not know. Il a honte que tous ses invités endorment. He is ashamed that all his guests are
falling asleep. Vous ne vous êtes pas dépêché et vous avez raté le bus. You did not hurry. And you missed the bus. J'avais reçu un cadeau de chacune de mes nièces. Chacune. I had received a gift from each one of my nieces. Quel est votre niveau? What is your level? You must not click here. Il ne faut pas cliquer ici. I bought several erasers. J'ai acheté plusieurs gommes. Mais où as-tu cliqué? But where did you click? This book is awesome. I already read 10 chapters of it. Ce livre est incroyable. Ce livre est super. J'en ai. Alors, ce livre est super, j'en ai déjà lu chapitre. Ils sont frères, alors ils se connaissent bien. They are brothers, so they know each other well. Nous ne dînons jamais avant 20h. Ah, j'ai fait la même remarque tout à l'heure. We never have dinner before 8 o'clock. Nous ne dînons jamais avant 20h. Là, c'est bon. Allez. Vous étiez sortis quand ils sont passés chez nous. Alors là, c'est when they you went. Oh, je ne sais pas si c'est had. Ouais, je ne sais pas. You had gone out when they stopped by her place. You had gone out. Cette bande dessinée m'a fait rire. Je ris toujours en lisant ce qui écrit. Je rêverais d'avoir le même salaire qu'elle. Salaire. I would dream about having the same salary as her. Nous manifesterions pour de meilleurs salaires. We will protest for the meilleurs salaires. For better salary. As the salaries, we would protest for better. Le titre est nul. Le titre est nul, mais en fait, le film est super. The title is bad, but actually the movie is awesome. Arthur a envie que son fils de 2 ans s'endorme tôt ce soir parce qu'il a beaucoup travaillé aujourd'hui et il voudrait se reposer. Arthur est fatigué.
c'est leur coutume, c'est-à-dire leur tradition. It's their custom in order words per tradition. Allô, c'est Marie, je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai si c'est possible. Marie n'est pas disponible. C'est un documentaire en plusieurs épisodes. It is a documentary in several episodes. Ben avait dit qu'il ne parlerait plus à Lisa, mais il a fini par la rappeler quand il a eu besoin de sa recette de pain pour son restaurant. Ben veut la recette d'Issa. Il faut cliquer ici pour éteindre l'ordinateur. You must click here to turn off the computer. Ce journaliste informe très bien la population. Il ne parle que de faits réels et il vérifie toujours ses informations avant. De vraies informations. Rappelle-moi dès que possible, c'est urgent. Rappelle-moi dès que possible, c'est urgent. Call me back as soon as possible, it is urgent. Je suis triste de ne plus voir Monsieur Dupont. Je me rappelle toujours ses bons conseils. Il a été mon prof pendant 2 ans. Il se souvient d'un prof qui aimait beaucoup. Les magazines que cette chaîne diffuse ont tendance à parler de sujets très intéressants, mais malheureusement, je ne cette comprends pas tout. Cette personne aime les magazines. La... Vous étiez sorti quand ils sont passés chez nous. You had gone out when they stopped by our place. Nous manifesterions pour de meilleurs salaires. We will protest for better salaries. Ah, c'est Wood. Nous manifesterions pour de meilleurs salaires. Allez, next. Aïe, aïe, aïe. Mon travail est trop stressant en ce moment. Quand mon chef reviendra de vacances, je lui en parlerai. Je ne peux pas continuer. Dans ce pays, c'est une coutume pour le public de donner aux acteurs des chocolats et des fleurs à la fin de la pièce. Quelle est la traduction? Le public offre des cadeaux. I would advise you to protest for your rights. Je te conseillerais de manifester droit. Je conseillerais de manifester droit. Il a faim et personne ne l'a encore servi. Servi. He is angry and no one has served him yet. Les robots étaient en guerre contre les humains. The robots were at war against the humans. Sarah is on a diet. She only eats cabbage. Sarah est au régime, elle ne mange que du chou. Ce magazine de littérature est hebdomadaire. His literature magazine is weekly. He has a lot of experience as an accountant. Il a beaucoup d'expérience comme comptable. Je n'aime ni le miel ni la confiture de cerise. I either like. Ah, c'est pas ça. I don't like either honey or cherry cake. This big piece of news is no public. C'est la nouvelle maintenant. J'ai fait un rêve très bizarre. I had a very red dream. Elle s'est garée dans une rue sombre et dangereuse. Dans une rue sombre.
his pocket on a dark and dangerous street. Il te proposerait peut-être un meilleur contrat. He would maybe offer you a better contract. Our parents have been divorced for years. Nos parents. Nos parents. Sont divorcés. Divorcés. Depuis des années. Annie. Tu peux décrocher? Je suis en train de conduire. Tu peux décrocher. Je suis en train de conduire. You can pick up and driving. Je n'aime ni le miel ni la confiture de cerise. I don't like either honey or. I don't like either honey or cherry jam. Allez, c'est fini ça. Next. Next. Alice will become a good veterinarian. Alice deviendra une bonne vétérinaire. Pendant la pièce, une des actrices a fait tomber sa perruque par terre, mais elle ne s'en est rendue compte qu'à la fin. L'actrice n'avait pas tout son costume. J'ai trouvé de vieux meubles dans le grenier pour que vous vous déguisiez. C'est des vieux vêtements. I found some old clothes in the attic so that you can dress up. Le vœu que Ben avait fait s'est enfin réalisé. Il nage avec les requins. Ben est heureux. Je pense que tu vas avoir besoin d'un avocat. I think you are going to need a lawyer. Elle apprend trop vite, elle n'est pas humaine. She will learn too fast. She is not human. Pourquoi j'ai... Qu'est-ce que j'écris chez Cyril? Oh, she is learning too fast. Oh, c'était tout fou. She is not human. Please wait. I'm putting you on hold. Please wait. Je vous mets à attendre. Donc, s'il vous plaît, patientez, je vous mets à attendre. La guide de ce musée est intéressante parce qu'elle a beaucoup d'expérience. This museum guide is interesting because she has a lot of experience. Les effets spéciaux du spectacle des enfants nous ont fait rire. Mais les enfants n'ont pas du tout ri. Nous adorons ce studio d'animation japonais. Nous adorons ce studio d'animation japonais. Ça va corriger. We love this Japanese animation. Cet étudiant est très fort en français. Fort. Faire. Tu dois copier cette partie du texte. You have to copy this part of the text. École. School. Collant. Beaucoup. A lot. Il. Say. Appuyer. Push. Collant. Right. Anna vient d'arrêter son abonnement mensuel à ce magazine de littérature parce qu'il coûte cher et qu'elle veut économiser de l'argent. Et moi, Anna n'aura plus de magazine. Luc essaie de créer depuis 10 ans un robot plus intelligent que les humains, mais sa machine sait seulement dire « je suis un robot ». Le robot ne parle pas beaucoup. Elle apprend trop vite, elle n'est pas humaine. She is learning too fast. She is not
Yum. Nous adorons ce studio d'animation japonais. We love this we love this Japanese. We love this Japanese animation. Cet étudiant est très fort en français. Fort. Faire. Oh. C'est fort. The student is very strong in French. Next. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? What would you advise me to do? I went to bed very early, but I woke up late. Je me suis couché tôt, mais je me suis levé tard. Je me suis couché. Très tôt. Mais je me suis tard. Rappelle-moi dès que possible, c'est urgent. Call me back as soon as possible, it's urgent. Il ne s'est pas perdu. It did not get lost. Oh là là, comment j'ai glissé. J'étais profondément triste de ne pas te voir. I was really sad to not see you. Oula, profondément, c'est deep. Deeply. Google, s'il vous plaît. Deeply. Deeply. I was deeply sad to not see you. Profondément. Very deep. Play. You had already gone out when Jean called. Tu étais déjà sorti. Déjà sorti. Quand Jean a appelé. Tous mes cousins sont beaucoup plus âgés que moi. All my cousins are really. C'est peut-être tout simplement older. All my cousins are older than me. All my cousins are a lot older. Ah oui, c'est beaucoup. Eh oui, j'ai pas écrit beaucoup. Plus âgé, c'est older. Did you get ready for this meeting? Tu t'es préparé pour cette réunion? Can you write this word on the board? Tu peux écrire ce mot au tableau. J'aimerais un poste de chimiste à temps plein. I would like a full time chemist
position. Hello, hello, oh no, he hung up. Alors, c'est bonjour. Bonjour, au nom. He hung up. Il a raccroché. Ah, c'est allô, allô. Allô, allô, au nom. Il a raccroché. Voilà, j'avais rien compris. We will remember this experience. Nous souviendrons de cette expérience. Il ne s'est pas perdu. Il ne s'est pas perdu. He did not get lost. J'étais profondément triste de ne pas te voir. I was really sad to not see you. Non, c'est pas ça. C'est pas really sad. Bye. Reply sad. Tous mes cousins sont beaucoup plus âgés que moi. All my cousins are a lot older than me. Alors c'est allô, allô, oh non, il a raccroché. Hello, hello, oh no, he hang up. Ah oui, hang up. Oh, il y a longtemps que j'avais pas vu ça. Un bonus par là? Non, on sait. Il est jamais ici, je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti pour la suite. Pour le carnaval, Luc va se déguiser en dragon, mais il n'arrive pas à trouver un costume. Non. Tous les trajets, nous les avons faits à pied. All the journey, we did them on foot. Nous avons vécu des moments incroyables. We lived incredible. Incredible moments. On va écrire incredible, incredible. Ah, cette journée historique, je l'ai vécue. This historic day, I lived it. Avec cette méthode, tu obtiendrais un résultat. Méthode. With this method, you will get an exact result. This is a historic train that crosses Europe. C'est un train historique. Traverse l'Europe. Leur méthode n'est pas vraiment scientifique. Scientifique. Leur méthode is not really scientific. The teacher tests our knowledge every day. Le prof essaye. The players are more numerous than fans. Les joueurs sont plus numéros que les fans. Les joueurs sont plus nombreux. Sont plus nombreux que les supporters. I will buy flowers and I will go to the chemistry. J'achèterai des fleurs, puis j'irai au cimetière. Before he has to stop by our place every day. Avant, il passait tous les jours. Avant, il passait chez nous. Ces huîtres de l'Atlantique sont délicieuses. Ah, je sais plus comment écrire. From the Atlantic. Oh, delicious. This
Atlantic oysters. This Atlantic oysters are delicious. Ils vivaient ensemble, mais ils se sont séparés. Réparés, séparés. They were living together, but they split up. This lady sells flats by one. Cette dame vend des flûtes. Achète-moi ça une. Cette dame vend des flûtes. Achète une. They no longer loved each other, therefore they split up. S'aimaient plus, donc ils se sont séparés. Pour le carnaval, Luc va se déguiser en dragon. Luc mais... va créer son costume. Alors, le prof évalue. Nos connaissances tous les jours. Ces huîtres de l'Atlantique sont délicieuses. Yes. Atlantic. Oysters are delicious. Next. Ah. Léa a gagné la médaille d'or à cette compétition et elle était très contente. Mais cela fait deux jours qu'elle ne l'a pas. Léa a perdu sa médaille. This luxury clothes, I stole them. Ces vêtements de luxe, je les ai volés. C'est super ici. On peut faire tous les achats qu'on veut. Eh bien non, cette tour à Paris, nous l'avons adoré. This tour in Paris, we love it. I doubt your ratatouille is salty enough. Je dis que ta ratatouille soit assez salé. Je dois m'habituer à ma nouvelle entreprise. I have to get used to my new company. Il veut une bûche de Noël avec plein de crème. He wants a yule log with a lot of cream. We stopped it because there was a ship in the road. Nous nous sommes arrêtés parce qu'il y avait un mouton dans la route. Je n'ai jamais su ce que je voulais peindre. I never knew what I wanted to paint. La reine dort dans un palais. Plaît. Palais. The queen sleeps in a palace, not at a campground. J'ai acheté les dernières places libres. Ah oui, fallait ça. Cette croisière de luxe, nous l'avons adorée. Adore. Adorée. This luxury cruise, we loved it. Je crois que j'ai déjà tous les ingrédients. I think I already have all the ingredients. Ils sont tombés en panne d'essence. Par panne. They ran out of gas. Excusez-moi, est-ce que cette place est libre? Excuse me. Is this Excuse me, is this place free? C'est super ici. On peut faire tous les achats qu'on veut. Il y a toutes On sortes de dans un centre commercial. J'ai acheté les dernières places libres. I bought the last available seats. Ils veulent voir ce film d'horreur au cinéma, mais pas moi. Amène-les-y. Moi, je reste ici. J'enseigne dans ce lycée depuis 10 ans. I
I have been teaching at this school for 10 years. Les valises, tu les as faites et refaites trois fois. Arrête, on ne part pas en expédition sur la Lune. Si tu oublies quelque chose, on l'achètera là-bas. Mon ex ne payait jamais. Payait. Mon ex ne payait jamais les pizzas du samedi soir. My ex never paid for Saturday night pizzas. Julia est allergique aux poils d'animaux, mais le problème est qu'elle attire toujours les chats de Yann. Ils la suivent partout où elle va. Pourquoi il y a écrit Julia et en bas il y a écrit Léa? Julia est allergique aux poils d'animaux, mais le problème est qu'elle attire toujours les chats de Yann. Ils la suivent partout où elle va. Les chats de Yann sont très intéressés par Léa. Mais ça devrait être Julia là. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ces desserts sucrés sont typiques du Maroc. Ces desserts sucrés. This sweet dessert are typical of Morocco. Morocco. Léa dit que si son fils râle tout le temps, c'est parce qu'il est à moitié français et que les Français ne sont jamais contents. Pour Léa, les Français ne sont jamais satisfaits. Grâce à cette victoire, on gagnera le championnat. Thanks to this win, we will win the championship. Don't scare him, he is already frightened enough. Ne lui fais pas peur, il est déjà assez. Énervé. Assez effrayé. Bon, allez, je le compte faux. Ne lui fais pas peur, il est déjà assez effrayé. Je ne sais pas cuisiner le thon à la tomate. Bon, thon. I don't know how to cook tuna with tomato. Notre petit-fils est passé avant-hier. Avant, il passait nous voir toutes les semaines, mais plus maintenant. Il est occupé avec sa copine. Leur petit-fils préfère avoir sa copine. I think these paintings are magnificent. Je crois que ces tableaux sont magnifiques. Pour le réveillon, Marc va cuisiner sa dinde au marron. Peut-être qu'un jour Léa arrivera enfin à lui dire qu'elle déteste cela. Léa n'est pas en état avec Marc. It's good that you accept seeing them for Christmas. C'est bien que tu acceptes de les voir. Léa a convaincu Luc qu'il faisait une bonne affaire avec ce four, mais Luc ne comprend pas comment le four fonctionne. Il veut le jeter. Il ne sait pas utiliser le four. Bravo. Don't scare him, he is already frightened. Ne lui fais pas peur, il est déjà assez effrayé. I think these paintings are magnificent. Et je pense alors que ces tableaux sont magnifiques. Allez, envoyez la suite. Léa a convaincu Luc qu'il faisait une bonne affaire avec ce four, mais Luc ne comprend pas comment le four fonctionne. Il veut le jeter. Luc ne sait pas utiliser le four. Je viens de la faire, après la remettre. The communication is good between the players. La communication est bonne. Joueuse. Elle en est certaine. She is sure of him. She is certain of it. Ouais, d'accord. He is changing companies. Il change d'entreprise. Il en est certain? Is it?
He is certain of it. Tu as encore fait une promesse à tes parents. Promesse. Oh non, j'ai fait misclic. Tu ne te changes pas pour aller au studio. Tu ne vas pas y aller en pyjama. You are not changing to go to the studio. You are not going to go in pyjamas. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur enseignant du lycée. Everyone agrees that he is the best teacher at the high school. He took some hard-boiled eggs to make a cake. Il a pris des œufs durs pour préparer un gâteau. Il va pas pouvoir faire un gâteau là. Pour leur mariage, ils n'inviteront que leurs parents proches. For their wedding, they will only invite their close relatives. Le lave-vaisselle ne fonctionne plus, alors il doit laver la vaisselle. Lave de main. The dishwasher does not work anymore, so he has to wash the dishes by hand. Did you print your boarding passes? Avez-vous imprimé vos cartes? Vos cartes d'embarquement. Avez-vous imprimé vos cartes d'embarquement? Cette méthode scientifique n'est pas très exacte. Tous les étudiants trouvent des résultats différents à ce test pour progresser. Cette méthode n'est pas parfaite. In Brazil, it is possible that you will drink Coca-Cola juice. Au Brésil, il est possible que tu boives du jus de cacao. Cacao, non, c'est ça, cacao. Cacao, cocoa. Théo voudrait gagner cette course. Il faut qu'il court plus pour s'améliorer, mais il travaille beaucoup et n'a pas toujours le temps. Théo doit s'entraîner plus. Les vacances à la campagne, ce n'est pas pour moi. J'ai peur du noir et du silence la nuit. J'aime les sons et les lumières de la ville. Pour dormir, elle préfère. Elle en est certaine. She is sure of. Non, c'est certain. She is certain of it. Alors, c'est cacao. Au Brésil, il est possible. Ouais, jus de cacao. Allez, next. Ah, je suis remonté. Il n'aime pas sa vie et il veut en changer. He does not like his life and he wants. Eh bien non, c'est pas ça. He does not like his life and he wants to change it. Cet auteur est très célèbre. Il a écrit, auteur, écrit. Beaucoup de romans. This author is very famous. He has written a lot of novels. It's good that he is relaxed and then he is meeting. C'est bien qu'il soit détendu. Explique-moi comment tu fais fonctionner ce truc. Calme. Oh, you use this. Explain to me how you operate this thing. Is certain of it. Il en est certain. Le chien a mis de la terre sur le nouveau tapis. The dog had
je sais plus si c'est Rai. Tapis. C'est Rai. Oh, allez, je sais pas. The dog pet dirt on the new rug. Ah oui, parce que c'est au passé. Il refuse. I refuse to get up. Besides, it's Sunday. Je refuse. Je refuse de me lever. D'ailleurs, c'est dimanche. Dimanche, on reste au lit. Eh oui. Logique, hein? All the journeys we did them on foot, tous les trajets, nous les avons fait à pied. I love watching that cooking competition on TV. J'adore. Je adore. Regardez. Regardez. Ce concours de cuisine à télé. Cette comédie est un grand succès mondial. This comedy is a big worldwide hit. Je ne suis pas content de ma vie professionnelle et je veux en changer. I am not happy with my professional life and I want to change it. Excuse me, is this seat available? Excusez-moi, est-ce que cette place est disponible? Il n'aime pas sa vie et il veut en changer. He does not like his life and he wants to change it. Allez, next. It's good that he is relaxed and that he is willing. C'est bien qu'il soit détendu et qu'il sourit. Explique-moi comment tu fais fonctionner ce truc. Explain. Tu me dis. Oh. You use these things. Le chien a mis de la terre sur le nouveau tapis. The dog put dirt on the new rug. Allez, next. J'ai apporté du miel que les abeilles de mon jardin ont fait. J'espère qu'il te plaira. Moi, je le trouve délicieux. J'en mets dans mon thé. Je bois du thé sucré. Yo, ajoute-moi sur Facebook. Je veux être ton ami. Yo, add me on Facebook. I want to be your friend. This book will interest my children. Ce livre intéressera seulement les enfants. Ce livre intéressera seulement les enfants. You were 10 at the end of summer. Vous étiez 11. À la fin de l'été. Si tu l'arroses une fois par mois, ça suffira. If you water it once a month, it will be enough. You would charge for this information. Tu chercheras ces informations plus tard. Je vous appelle, mais vous ne me rappelez pas.
I call you, but you don't call me back. This singer would like to become a celebrity. Ce chanteur voudrait devenir une célébrité. Nous passerons nos prochaines vacances à Marseille, au bord de la mer Méditerranée. We will spend our next vacation in Marseille by the Mediterranean. Le chauffeur n'était bronzé que sur le bras gauche. Le chauffeur. The driver was only and on his left arm. Il a peur de visiter cette grotte. And the chauve-souris is scared of visiting this cave full of bats. Ses militants essaient de lutter contre les problèmes environnementaux de notre planète en organisant des manifestations dans la rue. Les militants se battent pour la planète. Nous croyons que Nibu habitait dans le tronc de cet arbre mort. We fought and all lived in the trunk of this dead tree. I'm sure that you will enjoy this vacation. Je suis sûr. Je suis sûr que ces vacances te plairont. Je suis sûr que ces vacances te plairont. Et si elles te plaisent pas, de toute façon, c'est pareil, t'as pas le choix. I don't want you to get bored all the time. Je ne veux pas. C'est fatigué. Ah non, c'est ennuyé. Bon, ben alors, je ne sais pas trop dire. Je ne veux pas que tu t'ennuies tout le temps. Je ne veux pas que tu t'ennuies. J'arrive pas à retenir que oh, c'est ennuyé. Allez, next. J'espère que les invités apparaîtront avant minuit. I hope the guest will appear. Midnight. Votre précédent film qui parle d'un sujet grave, la pollution, passe actuellement à la télévision, où votre nouveau film est plus léger. Anna achète un oreiller très cher et de bonne qualité pour sa mère, et vous, Paul et Luc, vous achetez le même oreiller pour votre chat. Quelle phrase est correcte? Le chat a un bon oreiller. Ah oui. J'ai écouté les conseils de mes amis et je suis venu dans ce restaurant. Je suis déçu. La viande était crue et le dessert trop sucré. Ses amis lui ont donné un mauvais conseil. Jamais écouté les amis. Vera est une enfant trop gâtée. Hier, elle s'est moquée des autres enfants de sa classe qui ont moins de jouets qu'elle. Elle a été punie. Vera ne s'est pas bien comportée. Les prix augmentent, c'est fou. Bientôt, une baguette coûtera 20 euros et les croissants seront des produits de luxe. Les croissants sont de plus en plus chers. Les voisins pourraient avoir une ferme. Il y avait déjà des vaches et maintenant, il y a un âne. C'est fou. On est à 20 km de Paris. Le voisin habite près de Paris. Ces militants essaient de lutter contre problèmes environnementaux de notre planète en organisant des manifestations dans la rue. Les militants se battent pour la planète. Je vous remercie pour le dîner. I thank you for the dinner. I thank you for the dinner. J'ai mal écrit dîner un peu pour moi. This environmental activist is incredible. Militante. Environnementale. Incroyable. Je n'ai pas envie que vous vous ennuyiez. I don't want
you get bored. I don't want you to get bored. Tu préfères le poisson cru ou do you prefer raw or cooked fish? Vous passerez bientôt? Will you stop soon? Est-ce que c'est ça? Will you stop? Non, bye. J'étais pas loin. La météo prévoit quel temps pour demain. What is the weather forecast predicting for tomorrow? J'ai besoin que vous nettoyiez tout ça. Il faut que le sol existe. Brille. I need you to clean all that. The floor must shine. Je vous remercie pour le dîner. I will thank you for the dinner. Oh, pourquoi j'ai mis will? Il n'y a pas will. Je n'ai pas envie que vous vous ennuyiez. I don't want you to get bored. Vous passerez bientôt? Will you stop? Bye soon. Je vous remercie pour le dîner. I will thank you for the dinner. Ah, j'ai remis will. Bravo. Je vous remercie pour le dîner. I thank you for the dinner. Mais thank you. Je vous remercie pour le dîner. I thank you. Je vais y arriver. For the dinner. Ah, quand même. Allez, c'est l'heure de boire un petit café. It's time to drink a coffee. Little break.